Coucou mes amours, de nouveau moi Rose Mooney, hein, je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, d'accord, hein, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas mes amours la clochette de notification, oui les likes, c'est super important tout ça mes chéris, c'est ça qui nous donne la force de continuer. Et bien sûr n'oubliez pas de partager les vidéos mes tendres et chers. Aujourd'hui mes chéris, nous allons simplement parler du fenugrec, hein, de son nom scientifique Tonelaphonum graecum. Donc nous allons justement parler de ses bienfaits, de ses vertus, de ses propriétés médicinales. Bien sûr, je vous donnerai quelques posologies ici et effets secondaires, mais surtout comment utiliser cela, hein, pour vos soins à domicile. Et pour vous qui vous demandez toujours où acheter le fenugrec, on est ici, on est dans tel pays, il n'y a pas le fenugrec. Mes amours, en pharmacie, il y a toujours le fenugrec. En parapharmacie, il y a toujours le fenugrec. Donc voilà, au moins on éclaire là dessus. Hein, tout d'abord, sachez que le fenugrec a tout simplement des propriétés médicinales exceptionnelles. Oui, retenez ceci: énergie, vitalité, croissance musculaire, allaitement, oui, parce que ça va renforcer l'organisme dans son ensemble, hein. Ça va tonifier le métabolisme. C'est un puissant androgène naturel qui va régulariser tout simplement votre système hormonal, hein. Ça va vous permettre de retrouver l'énergie, la vitalité, la force. Surtout, vous qui souffrez de fatigue lors des convalescences, vous qui avez été affaibli, avez souffert de stress, de dépression, de démotivation, oui, ça va augmenter votre endurance. Mes amours, je n'en ai pas fini. C'est un anabolisant naturel, hein, qui va augmenter simplement votre masse musculaire. Surtout vous, si vous êtes culturiste et tout ça, je vous conseille cela. Maintenant, sachez aussi que en numéro 2, ça protège votre organisme dans son ensemble, mes chéris. Hein, ça va stimuler votre système immunitaire. C'est un anti-inflammatoire. Hein, ça va lutter contre l'arthrite, l'arthrose, la tendinite, le rhumatisme. Hein, sachez vraiment que c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout ce qui est trouble de la motricité, trouble des mouvements, les allergies respiratoires, les rhumes du foie, allergies au pollen, allergies à la poussière, vos enfants qui sont asthmatiques. Oh, mes chéris, vraiment. Tout ce qui est congestion pulmonaire, maladie bronchio-pulmonaire, ça va nettoyer vos poumons. Vous comprenez, mes chéris? Donc, que vous ayez une toux chronique, un tuberculose, le cancer du sang, du pancréas, cancer du système lymphatique, ça va nettoyer, ça va drainer. Ça va tout simplement favoriser la détoxination. Ça va nettoyer en profondeur le milieu intracellulaire. Si vous souffrez d'anémie, hein, ça va tout simplement limiter la formation de plaquettes et de caillots sanguins. Ça va renforcer l'activité cardiaque. Ça va protéger votre système cardiovasculaire. Mes amours, vraiment, il n'y a rien d'aussi bien que ça. Si vous souffrez de mal de tête, de fièvre, de migraine, d'eczéma, de problèmes de peau, ça va diminuer la goutte, les furoncles, l'abcès, les poux. Ça lutte contre les poux. Oui, la pédiculose, les problèmes de douleur musculaire, ça aussi. De constipation, sachez que le fenugrec est nourrissant, c'est alcanisant, c'est reminéralisant, hein, mes amours. Ça va tout simplement vous permettre d'assimiler facilement les aliments. Ça va vous permettre de reprendre du poids de la bête pour les personnes qui sont extrêmement maigres. Si vous souffrez d'anorexie, de grande maigreur, que vous manquez d'appétit, de rachitisme, de décalcification, de retard de développement osseux, de retard de développement osseux, de retard de croissance. Oh, mes amours, ceci, c'est pour vous. Si jamais vous avez souffert d'ostéoporose, de faiblesse des os, de fractures, de blessures d'articulation, ceci va renforcer vos dents, vos os, vos cheveux, vos ongles. Vous qui avez la perte de cheveux, les cheveux cassants, les filles, vous qui souffrez d'alopécie, les maux dedans, les aphtes, ça va stimuler les fonctions digestives. Ça va favoriser la digestion, comme je l'ai dit plus haut. Hein? Si vous avez un pancréas, des insuffisances pancréatiques, ça va vous aider. D'accord? Si vous souffrez de constipation, ceci est là pour vous. Hein? Lorsque vous souffrez de diabète, tous ces trucs, c'est là pour vous, mes chéris. Donc, je vous conseille, si jamais vous voulez vraiment savoir comment utiliser en combinaison avec quoi, je vous conseille d'aller sur mon blog Rose Mooney pour avoir tous les détails. Les effets ultimes, bienfaits et vertus du fenugrec. Les graines de fenugrec ont beaucoup d'atouts,
Mes amours, oui, que vous ayez des douleurs aux oreilles, que vous ayez des problèmes aux pieds. Un inconvénient, on a constaté que les personnes qui consommaient en grande quantité de fenugrec avaient une transpiration et des urines qui prenaient l'odeur de la plante. Ceci peut s'expliquer par le fait que la plante a une action de détoxination, c'est-à-dire qu'elle nettoie en profondeur l'organisme, en particulier le système digestif et pulmonaire, et permet donc de faciliter l'évacuation des toxines par les émonctoires que sont les reins, les intestins, les poumons et bien sûr la peau. Donc c'est pour ça que vous allez voir que ça va modifier votre odeur corporelle. Hein. Mes amours, faites très attention. Prenez le fenugrec de bonne qualité parce que hein, sachez que le fenugrec présent dans les commerces hein, est souvent, pour la plupart du temps, irradié. C'est-à-dire que la plante est passée au rayon gamma pour détruire les germes et les bactéries. En utilisant ce procédé, on détruit aussi une grande partie des principes actifs de la plante qui perd d'ailleurs son odeur et bien sûr beaucoup de vitamines et d'éléments dont vous avez besoin. C'est ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous mettre un lien si jamais vous voulez vous procurer le fenugrec. N'hésitez pas. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions par rapport au fenugrec, n'hésitez pas. Laissez-moi des messages en bas ou cliquez carrément ou allez carrément sur mon site internet rosemouni.com. Là-dessus, vous aurez toutes les informations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. À très bientôt.